Bonjour à tous, c'est Artiflo. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire des joints de mastic acrylique proprement. Parce qu'il arrive souvent, quand tu fais du placo, tu sois obligé de tourner autour de poutres. Ta plaque arrive, elle meurt contre une poutre, ou elle vient mourir contre des briques si c'est une cheminée ou quoi que ce soit. Donc je vais te faire voir comment faire un joint d'acrylique proprement. Alors il te faudra, ou j'appelle ça une cale à joint. Donc tu peux trouver ça en grande surface de bricolage. Alors, ce serait tentant, comme tu peux voir, il y a des biseaux. Ce serait tentant d'utiliser, quand tu tires ton joint, d'utiliser le côté biseau pour venir tirer le joint. Ben, il faut pas. Parce que justement, le mastic vient se mettre là derrière. Puis en allant que tu tires, ben, il se réétale. Donc, faut utiliser ce côté-là. Du scotch de masquage peinture. Et puis, ben, forcément, du mastic acrylique. Alors, c'est pas un pistolet tout neuf, mais bon, il me convient très bien. La buse de ta cartouche, il faut la couper légèrement en biais. Alors ça, tu fais, ça dépend de ta façon de faire, si t'es gaucher, droitier. Comme ça, tu peux venir bien l'appliquer correctement. Allez, on va voir ça tout de suite. Le petit montage que j'ai fait. Ici, tu peux imaginer que c'est de la brique ou, dans tous les cas, tu veux faire une finition après une peinture, quelque chose comme ça. C'est surtout pour ça qu'il faut utiliser du mastic acrylique, parce que l'acrylique, tu peux le peindre. Donc en premier, je mets du scotch pour protéger. Donc là, c'est pratique pour la longueur. Par contre, quand c'est des briques ou autre chose, bah tu y passes un sacré bout de temps. Mais le résultat, le principal, c'est d'avoir un bon résultat. Et quand on bricole, donc là, je le mets à 2-3 mm à peu près de l'espace que j'ai à combler. Tu prends ton mastic acrylique, donc tu vois là, il y a mon biseau. Tu positionnes ton pistolet pour que tu sois dans la bonne position avec ton biseau. Donc là, moi, ça va être comme ça. Hop. Et puis là. Alors, le but, c'est pas de mettre trop d'excédent quand même. Il faut que ça pénètre quand même, parce que si t'en mets pas assez, bah ça va. Le peu qui travaille un peu, ça va se fendre. Ensuite, tu prends ta cale à joint. Alors comme je disais tout à l'heure, tu vois, faut que, si tu tires dans ce sens-là, faut que tu aies la partie droite ici. Faut pas que tu aies le biseau. Hop. Tu viens t'appliquer contre, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Et puis là, tu tires. Donc tu retires l'excédent. Voilà. Faut toujours avoir un chiffon tout proche pour bien nettoyer sa cale à joint. Moi, c'est une cale à joint, je l'avais quand j'étais un brier funéraire. Et tu vois, j'ai déjà monté pas mal de monuments funéraires avec, j'ai fait tous mes joints d'acrylique. Elle est encore en bon état si tu l'entretiens bien, que tu la nettoies bien à chaque fois. Donc là, je vais repasser une deuxième fois pour dire de défaire encore un petit peu d'excédent s'il y en a encore. Tu vois, la deuxième passe, il n'y a presque plus rien. Tu défais tes scotchs. Et puis tu peux repasser une dernière fois pour dire deux. Ça va, comme il y avait l'épaisseur du scotch, bah tu vas en défaire encore un peu de toute façon. T'as un joint qui est tout beau, tout propre. Le jour qui était à combler, il est comblé. Et ensuite, bah là, si tu veux venir faire ta peinture, t'es tranquille. On a ça comme résultat. Donc là, c'est autour des poutres. Ce que ça donne autour de cheminée. Donc toujours avec la technique du scotch et du grattoir à joint. Encore une autre poutre. Ah, j'ai vu ce qu'il fallait en poutre. Alors, trois poutres, deux cheminées, mes chiens assis, comme tu as vu là, un petit peu, enfin mes lucarnes de toit, un petit peu comme tu as vu tout à l'heure. Bah, j'ai passé 2 jours à faire tous mes joints d'acrylique. Mais bon, le résultat, il est là, quoi. Donc voilà. Allez, si ça t'a plu, bah, abonne-toi, et puis à la prochaine!